Salut la famille olympienne, bienvenue sur la chaîne Pâques de Mars. Tirage non moins compliqué, mais bon, un tirage pas non plus aisé. Mais ah bah, je préfère encore plus tirer le Benfica Lisbonne que les autres clubs qui étaient auparavant. Donc voilà, l'OM a tiré Benfica Lisbonne avec le match aller à Lisbonne le 11 avril. Et le match retour au Vélodrome le 18 avril pour les quarts de finale de l'Europa League. Un tirage assez accessible pour l'Olympique de Marseille. Donc maintenant, bon, il y a deux matchs à accéder. Benfica Lisbonne, eux, ils ont été qualifiés contre les Glasgow Rangers. Ils avaient fait match nul chez eux de partout. Et ils ont été gagnés à Glasgow en Écosse 1-0. Apparemment, c'est pas une équipe qui est une foudre de guerre, c'est plus le Benfica Lisbonne comme on a connu bien auparavant. Surtout que c'est une belle revanche à prendre contre eux parce que Lisbonne, en Europe, ça n'a jamais trop réussi. Hein, la main de Vata en 91 et en 2009-2010 en Europa League, pareil, hein, ils nous avaient explosé la tête. Donc voilà, c'est un beau quart de finale. Par contre, ce qui arrivera par la suite, c'est que ben, si l'OM arrive à se qualifier, et c'est tout le mal qu'on puisse le souhaiter, en tant que supporter marseillais, ben, c'est que les demi-finales, eh ben, on rencontrera le vainqueur de Liverpool, Atalanta Bergame, avec le match aller à domicile et le match retour à l'extérieur. Donc là, ce sera un peu moins aisé, donc on espère au moins. Eh bien, tout ce que l'Atalanta Bergame puisse sortir l'ogre de Liverpool. Ou sinon, ben, si on passe et qu'on se tape Liverpool, ben là, ce sera le choc du choc. Et là, ça sera assez dur, mais bon, l'espoir fait vivre, dit toujours. Donc voilà, c'est le tirage au sort des quarts de finale de l'Europa League qui a été effectué il y a quelque temps de ça. Donc, et en plus, il y a eu les autres tirages au sort. L'AS Roma, Milan AC, Bayer Leverkusen, West Ham, et comme je vous ai dit, Liverpool, Atalanta Bergame. Donc voilà, famille. Un tirage non moins défavorable, mais bon. On espère tous une qualification et qu'on passera tous en demi. Donc voilà, si la petite vidéo elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre le pouce qui va bien, de vous abonner à la chaîne Pâques de Mars, d'activer la cloche pour continuer à me suivre. Et sur ce, ben je vous dis, Forza OM!